Bonjour. Aujourd'hui, j'ai un vrai coup de cœur à vous présenter. C'est ce genre de livre qui tout à coup vous donne la chair de poule à la lecture, vous provoque une émotion incroyable. C'est un livre de Rascal qui s'appelle « Bonjour tout blanc » et la maison d'édition, c'est « La maison est en carton ». Ce livre, c'est le texte de Rascal et les images ont été réalisées lors d'ateliers collectifs animés par Jean-Louis Bucher. Et c'est un album qui va être offert à tous les enfants, tous les bébés qui vont naître en 2015 dans le département des Pyrénées-Atlantiques, qui a aussi participé à la réalisation de cet album. Et donc cet album est tiré d'un atelier qui a été réalisé, un atelier créatif avec des hommes et des pères détenus à la maison d'arrêt de Pau. Donc c'est une démarche, je vous dis ce qui est écrit derrière, la démarche est simple. Avec les doigts comme outil, du papier blanc comme matière, créer des images pour parler du monde au tout petit enfant. Quand soi-même, on en est privé, on est privé de dehors. Le papier se déchire, la forme se dévoile, le dehors se raconte. Et Rascal s'est emparé de ces images singulières et a écrit ce long poème comme un hymne à la vie qui éclot, toujours, quoi qu'il arrive. Donc les illustrations sont du papier déchiré, et ce livre, qui s'appelle « Bonjour tout blanc », est tout en blanc. Tout est blanc, et ce papier déchiré blanc est posé sur une feuille blanche. On pourrait se dire que l'on ne voit pas grand-chose, mais on a l'impression que ces illustrations vous sautent au visage. C'est un très beau cadeau à offrir, cadeau de naissance à offrir à des parents, à offrir à un enfant qui vient d'arriver pour lui dire combien il était attendu. C'est un livre qu'on pourra lire tout au long de sa vie. Voilà, et du coup, je vais vous le lire parce qu'il est vraiment très beau. Tes yeux qui me rencontrent pour la première fois et qui me disent « Papa ». Le tumulte de mon cœur, la neige qui tombe sans bruit, notre joie d'être famille, beau jour, tout blanc. Je dévisage aujourd'hui ton visage tant deviné hier, tes cheveux, ton front, tes oreilles, tes yeux, ton nez, tes joues. Petit puzzle de toi, qu'il te faudra citer tant de fois avant de commencer à nommer le monde. Le grand voyage à faire. Le jeune arbre à planter au jardin grandira avec toi comme un frère de sève. Tes 28 dents illumineront un jour ton sourire d'autant de perles blanches. Sur nappe blanche ou carré d'herbe, les repas à partager. De cuillerée pour en cuillerée pour, sucré avant salé, ton berceau flambant neuf a baptisé de rêves, le chant des oiseaux libérés et tes ailes à déployer vers les lendemains joyeux, la balançoire en fer lassée de n'être poussée que par le vent, les chansons de l'ami Pierrot, de frère Jacques, de compère Guillery, sans oublier celle du grand cerf, et du lapin, lapin, entre et viens, me serrer la main. Mes doigts qui s'impatientent de se mêler aux tiens, la vie qui ne sera plus jamais la même. Tous ceux qui sont absents et qui ne diront jamais ton prénom. La vie à vivre en cœur comme on se sait relié aux autres. Et tous les pétales des fleurs que je n'effeuillerai jamais pour savoir combien je t'aime. Déjà si fort. Voilà. Très beau texte, très poétique. Et qui fonctionne, je veux dire, qui touche beaucoup les adultes et qui emmène les enfants. Ce texte, c'est une vraie poésie, il est magnifique. Et puis, je vous invite vraiment à aller voir cet album. Regardez ces illustrations, ce papier déchiré. C'est magnifique. Ce texte est souvent en rapport donc avec l'illustration et lui donne encore plus de force. Vraiment, c'est un vrai coup de cœur. J'ai souvent des coups de cœur, mais celui-là, vraiment, il me provoque beaucoup d'émotions. Et tous les adultes à qui je l'ai lu me disent la même chose. Ça leur provoque la chair de poule, c'est très fort, ça parle vraiment, ça nous touche vraiment beaucoup. Et puis les petits se laissent bercer par cette histoire. Je l'ai lu à beaucoup de petits qui se laissent emmener, se laissent bercer. Voilà, un très beau cadeau à offrir. Et puis je trouve que la démarche est vraiment très, très intéressante, très, très forte. Et donc voilà, puisque je lis moi aussi régulièrement en prison, je trouve que j'ai peut-être été encore plus touchée par ce livre. Mais je vous invite vraiment à aller le voir. C'est un vrai petit bijou ce livre. Et à offrir, je veux dire, à,